vas faire exactement ce que je te dis. Il n'y aura pas d'embrouille. C'est l'école! Non, c'est pas vrai! Max, j'ai l'air de quoi, moi? Thomas, il a dit que j'étais habillée comme une patate. C'est mignon, une patate. Si tu coupes les doigts, ça fait des frites. Pauvre naze. C'est toi, connard! Tu vas prendre l'autobus? Non, je travaille là. T'es serveuse? Non. Alors, tu fais quoi? Je m'occupe des bons hommes. Papa, j'ai un cadeau pour toi. Bonjour. Bonjour, oui. J'ai donné ma sœur Gérard Rose pour qu'elle vienne s'occuper de toi jusqu'à Noël. Qu'est-ce que t'as encore inventé? C'est son travail, s'occuper des bons hommes. Il te plaît mon cadeau, papa? Alors, ça y est, c'est bon? 1000 euros. Par jour? Elle a intérêt à envoyer du bois, ce truc-là. Vous allez dormir ensemble? Oui. Non. En plus, t'es une professionnelle dans ton plumard, alors profite-en. Mais c'est pas un bon exemple, Max. Papa, je crois que j'ai vraiment besoin d'un soutif. Oh, ça va. Vous pouvez pas lui dire des trucs normaux? Vous tortillez du cul devant elle toute la journée? Je comprends pas. Je vous emmerde! Bon, vous savez, Tony, il a l'air comme ça, mais c'est un type bien. Et c'est tout. Nick, tu vas te sortir les doigts du cul, oui? Très, très doux. Hein. C'est la première fois que je me sens importante pour quelqu'un. Je pensais pas que je pouvais ressembler à ça. Je me filme bien. C'est quand, Noël? 25. Ça veut dire que Rose, elle va bientôt partir. Max, tous les matins, j'essaie de lui dire que le monde est merveilleux, le monde est là. Quand je la regarde, je me dis quoi? Vous allez comprendre. Ma fille s'est mise en tête de m'offrir Rose pour Noël. À 6 ans, elle vous offre Rose pour Noël. Ne pas poison!